c'est plus comme ça, Benny. Personne n'a à me dire ce que je dois faire. Alors fiche-moi la paix. Je t'appelle un taxi. Non, j'y vais à pied. Hier soir, dans le Nord, un journaliste a été renversé par une voiture. La police pense que c'était volontaire. Il est mort ? Sur le coup. Je veux des détails sur l'enquête, sur le mobile, l'environnement et que ça fasse couleur locale. Sur tout ce qui concerne son travail, son état d'esprit, son humeur. Benny était un journaliste un peu, disons... Benny ? Quoi ? Benny Eklund ? Tu le connaissais ? Non, pas vraiment, mais je l'avais eu au téléphone. Je lui avais posé des questions sur cette histoire de nazi. Ah oui ? C'était un bon journaliste. Allô, Léa ? Oui. Il n'avait pas écrit sur le F-21. Les réductions de personnel. Mais non, l'attentat. C'était il y a au moins 40 ans. C'était une attaque terroriste sur le sol de notre pays. Un jeune soldat a été tué, ça a été un véritable traumatisme. C'est de l'histoire ancienne, ça. Berit, tu peux couvrir la mort de Benny Eklund ? Non, je suis très occupée avec le scandale de la gériatrie. D'accord. Bengtsson ? Ça marche. Tu prends le premier avion pour Luleå. Et n'oublie pas de mettre des vêtements très chauds. Tu vas manquer la fête du vendredi ? C'est fini pour moi, ce genre de choses.